Bonjour à tous. Bon, bah aujourd'hui on travaille sur la Panda. J'ai un petit problème dessus. Bon, comme tu vois, j'ai quand même le voyant injection qui est allumé ici. Voilà. Donc on va passer sur l'ordi, je vais te montrer. Comme tu vois, on est dans la Panda. Donc les erreurs ici. Là tu vois, elle met potentiomètre. Papillon, l'actionneur ralenti est équipé de machin. Donc voilà. Donc en fin de compte, j'ai ce souci avec le papillon. Et c'est pour ça qu'elle est trop riche, je pense. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais la démarrer. Tu as le truc du papillon. Hop, je vais te mettre les tours moteurs en même temps. Alors regarde. Tu vois, le degré du papillon, il bouge presque pas. Pourtant j'accélère. Hein. Donc du coup tu vois le truc du papillon là, il bouge pas. Tiens, voilà ce que c'est le potentiomètre du corps du papillon, c'est ça. Si tu veux, quand tu as le corps du papillon qui rentre dedans, ça tourne, ça donne l'information au calculateur. Voilà ce que c'est. Bon allez, je change ça. Je te montre, il est juste en dessous là, je te montre après. Tiens, je vais te montrer c'est qui il est exactement. Tu vois, c'est ce truc là, en dessous là. Maintenu par deux vis. Tu as maintenu par deux vis et puis tu n'as plus qu'à le changer. Tu retires la prise ici et puis voilà ça. Bon, ça c'est le vieux. Je sais pas si tu te rappelles, mais la voiture a pris feu à un moment et puis j'avais vu que le capteur ça allait encore. Bon, ben là je crois qu'il a rendu l'âme. Bon, donc c'est normal. Allez, bref. Tu veux savoir comment ça fonctionne? C'est simple, regarde. L'axe du papillon il rentre dedans. Tu vois, comme ça là. Tu vois le truc qui tourne à l'intérieur, c'est un truc à ressort. Tu vois, voilà. C'est un genre de potentiomètre, hein. C'est pas plus simple, c'est pas plus con que ça. Hein. Donc quand ça tourne, si tu veux, ça donne l'information au calculateur de la position du corps du papillon. Ça s'appelle le capteur TPMS ou le potentiomètre de corps de papillon. Bon ben je suis désolé, j'ai pas le temps de te montrer, mais juste avant de démarrer, le voyant est allumé, puis là comme tu vois, ben, il est plus allumé. Et là il tourne correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer sur l'ordi pour que je te montre comment ça réagit maintenant. Voilà, de suite. Tu vois qu'on est passé tout à l'heure, on était à 19 minimum et puis à 52. Hop, je vais mettre les tours moteurs et tu vas voir que ça va changer en fonction des tours moteurs, le degré du papillon là. Bon, on va pas trop la faire gueuler non plus, hein, juste pour te faire montrer, mais bon, tu vois bien que là ça fonctionne. Hein. Voilà. Bon, un problème de résolu. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le logiciel que j'ai utilisé, multiqscan.7 là. C'est Philou qui me l'a passé. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça vous permettra d'aller directement le récupérer chez Philou, qui a une chaîne YouTube qui est spécialisée plus dans le diagnostic. Et ça vous permettra de pouvoir entrer sur vos pandas. Bon, maintenant que c'est réparé, c'est quoi? Allez, on va l'essayer, tu es avec moi?
Bon, ben voilà, tu vois, la voiture est réparée, pas de soucis dessus. J'espère que ça t'a plu. Allez, je te dis à la prochaine. Ah!